Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est avec l'ami Tim. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va tranquille. L'objectif, bon, on vous cache pas que nous étions en train de faire un petit tournage tuto. Et en fait, on a vu des énormes carpes monter en surface au pin. Et on s'est dit, ben, on va aller chercher les cannes. Il faut essayer là. Et on va essayer de faire ça. On va essayer de les prendre au pin, des énormes carpes. Le truc, c'est que moi, j'ai que une canne à mouche. Et ben, c'est pas grave. Je vais quand même essayer de prendre une énorme carpe au pin à la mouche. Toi, tu vas essayer avec une canne à carpe. Allez, c'est parti, on va essayer de faire un nouveau défi, pêcher une énorme carpe à la mouche. Let's go. Bon, je commence à pâter avec du pain. En fait, l'objectif, c'est de les ramener. Il va y avoir d'abord les petits poissons qui vont venir, qui vont faire du bruit en venant attraper les choses en surface, le pain en surface. Et après, je pense que les carpes viendront attirées par ce bruit caractéristique des petits poissons qui sont en train de manger en surface. On a prévu deux baguettes, il y a ce qu'il faut. Donc on va bien appâter, on lance pas la ligne tout de suite. Parce qu'effectivement, si vous lancez votre ligne tout de suite, vous risquez de ne pas faire le poisson et de perdre votre pain au moment où les carpes sont en surface. Allez, on appâte bien. Et là, mon gars, je suis sûr il y a moyen de faire... Oh, regarde, elle est là. Elle est là, la carpe. Ouais, elle est là. Attends, je prends une ligne. C'est de la pêcher avant qu'elle ait plus faim. Allez, je sors ma canne à mouche. Aïe, ça pique. Une canne à mouche normalement faite pour pêcher le brochet. Mais vu la taille de la carpe, mon gars, je pense que j'ai bien fait de prendre ça. Allez, je vais le mettre sur l'hameçon. Là, il y a moyen. Alors, je vais attendre qu'elle monte en surface. Mais là, elle était là. Elle va venir, c'est sûr. C'est sûr qu'elle va venir. Je règle mon frein. Ça fait. Je vais desserrer un peu au cas où elle fait un rush. Parce que je pense qu'elle va me lyncher au niveau du rush. Mais cette carpe là, elle fait au moins 15 kg. Au moins 15-20 kg. Et si on l'a fait, ça va être ouf. Ça va être juste dingue, les gars. Ah ouais, ça va être malade. Allez, viens, petite carpe. En fait, depuis tout à l'heure, on la voit passer. Elle tourne. Et en fait, si vous voulez, on était en train de faire un tournage. Et puis, on a jeté des bouts de madeleine. Et elle est montée en surface. Et je pense que ce ne sera pas la seule. Alors là, il faut que les petits poissons blancs arrivent, qu'ils fassent du bruit. Et après, normalement, je pense qu'il y a moyen de la faire. Enfin, du moins, j'espère. C'est l'objectif de toute façon. Allez, petite carpe. Viens en surface. N'aie pas peur. Tonton Amine va te relâcher. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de vent, tu vois. Du coup, le pain, il reste là, il ne bouge pas. Ouais. Là, je pense que les petits poissons vont arriver. En plus, il n'y a pas de canard, c'est cool. Mais là, je la vois plus, la carpe. Je sais pas où elle est. Une énorme carpe là-bas. Oh, elle est là. Bouge pas, elle est là, juste là. Ah, elle va monter, c'est sûr. C'est sûr qu'elle va monter. Regarde. Oh. Non, je ne vais pas tirer assez loin. Celui-là, il y en a une énorme là, les gars. Elle est en train de bouffer, les gars. Là, ça sent le départ. Là. Ça sent le départ. Elle vient vers ma ligne. Elle vient vers ma ligne.
Allez, reviens. Oh, elle est fat, mec. Non. Ah là, c'est le stress, mon gars. Ouais, je la vois, je la vois. Mais elle est vachement loin, tu vois, il y a le vent de face. C'est pas facile du tout. J'arriverai pas. Oh non, j'arriverai pas. Fais chier, quoi. J'arrive pas à lancer, mec. Je vais mettre un pain plus gros. Mais elle est là, hein. Elle va revenir, c'est sûr, hein. Vas-y, tente-la, man. Carrément. Oh, parfait. Oh, mec. Oh, mec. Oh, mec. Oh, mec. Oh, mec. Elle a refusé. Elle m'a entendu, peut-être, non? Oh là là, mon gars. Elle a fait un refus d'espace. Journée frustration. Regarde-moi ce petit rat là. Deux, il y en a deux, Pharaon. Hop, il a pris le truc, regarde. Il est en train de bouffer le pain là. C'est frustrant, hein? Ouais, c'est ça. Là, elle est là, elle est là. Tu veux voir les buissons? Ouais. Ouais, c'est bien ça. Elle est énorme, énorme.
jamais vu une aussi grosse Peugeot. C'est bon, je l'ai. Oh, 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 oh. Putain de merde. Ah, yes les gars, j'ai réussi à l'attraper. Elle est énorme. Oh. Ouais. C'est tourné. Fantastique. Là, ça va être un combat long. Ça va, les amis. Là, c'est du lourd. Là c'est une belle carpe, je pense que ça fait 10-12 kilos. Oh, hop, 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 hop. Oh mon gars. Oh, c'est une carpe qui fait encore plus même je pense. Tu penses? Avec la canne à mouche mon gars. Du sale. Oh elle est fat. Oh mec, elle est. Elle est gigantesque. Ouf. On est parti pour un petit moment. Ouais je pense, avec la canne à mouche. On a fatigué un petit peu avec la canne à mouche. J'irai prendre l'épuisette tout à l'heure. Après moult péripéties mon gars, celle-là il fait plaisir. Oh là 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 mon gars. Ce qui est bien c'est qu'avec le truc à mouche tu peux gérer le machin, tu peux gérer le combat. Ça c'est chouette. Elle a l'air d'être bien piquée. Ouais, elle est fat. Elle est fat de fou. Vous allez voir les gars, cette carpe. Elle nous nargue depuis tout à l'heure. Ça fait une heure qu'elle est devant nous. Avec il nous a gobé le pain pratiquement. Avec la canne à mouche mon gars. Elle est en Y la canne à mouche. Là regardez, elle est là, elle est là, elle est là gros. Oh là là, elle est fat. Elle est fat les gars. Oh, impossible de la remonter gros. Tellement elle est grosse. Mec, à la fin, elle est gavée là. Oh là là, la canne en Y. C'est bon, tu sens tout dans le poignet en fait. C'est ça qui est ouf avec la canne à mouche. C'est que tu ressens vraiment tout dans le poignet quoi. Ah mec. Sur une petite session improvisée. Là, on a pas fini. Hein. Non, rendez-vous dans un petit moment là. Ouais, je pense aussi, ouais. Oh là 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 là, la puissance que ça a mon gars. Elle est si grosse. Ah ouais, franchement elle est grosse. C'est pas les grosses grosses encore qu'on a vu, mais je pense que celle-là elle fait ouais, entre 10 et 15 kilos peut-être. Tu penses plus? Ouais, je pense qu'elle fait au moins ses 15, ouais. Je pense qu'elle fait ses 15. Ah, ce serait mon record mon gars. Là je pense qu'on est parti. Inch'Allah. Inch'Allah. J'ai déjà essayé de la sortir. Inch'Allah, ouais. Mec, c'est impossible. Bon, quel combat. Oh, le combat de fou. Ça s'arrête jamais là. Ah ouais, là, elle est vraiment fat. Hein. Ouh là 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 là. Avec la canne à mouche tout dans l'épaule, mon gars. Ah. Oh là, elle rush. Ah là, elle s'est sentie piquer, ça y est. Je pense qu'elle s'est sentie piquer. Oh là 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 là. Là je peux rien faire. Oh, la canne est en Y mon gars. Regarde ça la masse. Ah oh. Oh, mon gars, mon poignet il est pas bien mon poignet. C'est pas prêt de terminer. Hein. T'as vu la courbure de la canne? C'est ouf hein.
Yes. Ça y est. Ouh, oh putain. Là les amis. Là il y a fat. Oh là là. Beau poisson. Mec, elle est énorme. Elle est large de ouf. Check. Bien joué. On a terminé les baguettes. Dernier bout de pain qui nous restait. Oh là 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 là. Oh là là, elle est énorme. Elle est énorme. Regardez ça les gens, elle est fat. Elle est énorme, on va la peser. Mais ça c'est mon record, c'est sûr. Ouh. Allez. Oh la vache. Mec, ça fait bien 15-20 kilos. Allez, 17 kilos 6. Le film. Oh. Oh mon gars. Nouveau record. Nouveau record. Nouveau record au pain. Au pain, mec. À la canne à mouche. À la canne à mouche, mec. What the fuck? What the fuck? Elle est énorme. J'ai jamais vu une carpe aussi grosse. Regardez ça. Viens voir, si tu veux. Regardez cette bête. Regardez ça. Regardez la taille de ma main. Comment elle est large. C'est dingue. C'est dingue ce poisson majestueux. Magnifique. Là. Voilà. Oh. Bravo. Merci mec. Là. Je suis cuit. Je suis cuit mec. Waouh. Il nous restait 10 minutes de pêche. On n'avait plus de pain. Et je fais cette énorme carpe de 17,60 kg. Waouh! Quel combat sur la canne mouche, truc de fou. Après plusieurs refus, notamment un super refus sur la canne de Tim. Cette magnifique carpe au bord, mon gars, au bord, il n'y a même pas 20 cm du bord. Et elle nous narguait depuis tout à l'heure et j'ai réussi à la faire. Je suis épuisé. Franchement, je comprends votre adrénaline, vous les pêcheurs de carpe, quand vous prenez des énormes poissons comme ça. Mais là c'était ouf, super combat. J'espère que vous avez kiffé, on a validé ce défi. Plutôt difficile, plutôt long, mais on a quand même réussi au dernier moment. C'est ça la pêche, il faut jamais désespérer, toujours y croire jusqu'au dernier moment. Ça fait plaisir, elle est repartie comme il faut, on a fait des belles séances photos. Merci à vous d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche. Merci Tim. Merci mon pote. Ça fait plaisir. Allez, on se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, c'est que de la pêche les amis. Peace.